Mesdames, Messieurs, bonsoir. La médiathèque José Cabanis et la librairie Ombre Blanche sont ravis d'accueillir ce soir Nancy Houston et Guy Auberçon. Je vais essayer en quelques mots de vous présenter le déroulement de la soirée, qui est un petit peu atypique. Donc, dans un premier temps, je vais laisser Guy Auberçon présenter justement cet ouvrage terrestre qui va être présenté dans la soirée. Donc, pendant 30 minutes, nous allons avoir Nancy Houston et Guy Auberçon qui vont, à travers une lecture, vous allez découvrir cette présentation très, très rapidement, cet ouvrage terrestre qu'ils ont construit à deux mains, à deux têtes, à deux en tous les cas. Donc, en introduction, une petite présentation de cette collaboration, la présentation, la lecture, et puis ensuite, Nancy Houston pourra peut-être nous expliquer en quelques mots le lien avec l'autre livre pour lequel vous êtes aussi venu ce soir, donc Bad Girls. Et puis, on vous laissera aussi la parole pour explorer davantage cette rencontre, ces œuvres avec nos invités. Et nous aurons ensuite la dédicace. Donc, en sortant de la médiathèque, vous pourrez acheter les ouvrages et puis les dédicacer et passer encore un peu de temps avec nos invités. Donc, Guy Auberçon, je vous laisse la parole pour présenter le début de soirée. Bonsoir. Donc, je vais vous présenter avec Nancy le livre terrestre, enfin sa construction, sa chronologie. Donc, c'est parti en fait d'un projet d'exposition que j'ai eu en Suisse l'hiver passé. Donc, il n'y avait pas du tout l'idée du livre au départ. C'était vraiment une exposition dans un musée. Et pour cette exposition, j'avais carte blanche et donc je travaillais autour de différents thèmes qui se rapprochaient un peu plus, je dirais, des mythologies personnelles. Enfin. Et petit à petit est venu s'insérer dans ce thème le monde animal. Et donc c'est devenu même le thème principal de ce terrestre. En fait, j'aime bien parler d'une petite anecdote qui a été vraiment un point de départ de ce travail. C'est un ami qui m'avait offert un crâne de cervidé, un peu amoché dans un coin, un peu cassé comme ça. Il était très troublant. Et donc, je l'avais dans mon atelier depuis plusieurs mois. Et un jour, j'ai fait une aquarelle à partir de ce crâne. En fait, qui se superposait avec une image de visage. Et ça a donné cette aquarelle qui est très significative, qui s'appelle L'enfant chamois. Et donc, c'est déjà, on pourrait dire, un premier rapport avec Bad Girl, puisqu'elle figure, cette œuvre figure sur la couverture de Bad Girl. Et donc, suite à ça, j'ai continué ce travail d'exploration, surtout du monde des cervidés. Et aussi, petit à petit, le monde des abeilles. Donc, j'ai construit ce travail autour de ces deux figures animales tutélaires, les cervidés, qui sont plus une représentation plutôt individualiste, et le monde des abeilles, qui est l'animal social par excellence. Donc, les choses se sont... répercuté, je dois dire, comme ça, et on fait découvrir plein de significations, compréhensions. Les discussions avec Nancy étaient très riches à ce sujet-là, et en fait, le monde terrestre s'est construit comme ça. Donc, ce qui a donné lieu à cette exposition. Et suite à ça, en fait, Nancy a réagi à un certain moment, elle en parlera elle-même, par l'écriture de poèmes. Et voilà, je vais peut-être te laisser parler des poèmes.
En fait, j'avais déjà fait une première série de poèmes à partir d'œuvres de Guy un an plus tôt, à peu près un an et demi plus tôt. Donc j'avais déjà eu cet exercice qui consistait chaque matin un peu comme un moment de méditation, de mettre une image sur l'écran de mon ordinateur et de me plonger complètement dedans. D'ailleurs, c'est un exercice que je vous recommande pour n'importe lequel d'entre vous, sérieusement. C'est vraiment qu'est-ce qu'on ressent quand on regarde une image, comment ça nous touche, c'est pas seulement qu'est-ce que l'artiste essaie de dire, mais qu'est-ce que ça vient chercher en soi. Et j'avais fait une série un peu chaotique que j'appelais Spire, parce que c'était respire, inspire, expire, et le mot spire en anglais qui veut dire flèche d'église. Donc quelque chose qui aspire aussi vers le haut, qui va vers le haut, qui nous amène, qui nous fait respirer, qui est l'âme en fait. Et alors quand Guy a commencé à m'envoyer par mail le plus souvent les images de cette série sur laquelle il travaillait, ça c'était beaucoup plus cohérent. Enfin là j'ai commencé vraiment à réagir presque au coup par coup. C'est au lieu que moi je choisisse, que je prenne une image dans l'ensemble de son travail que je pouvais avoir sur mon ordinateur, tout d'un coup j'avais accès presque au jour le jour à ce qu'il était en train de faire. Et donc deux choses s'étaient passées entre temps. C'est qu'on avait fait des voyages où on avait beaucoup parlé de l'animisme, justement, et c'est important ce lien entre le mot anima, l'âme, et animal, animal. L'animisme qui prête une âme à tous les animaux et à tous les êtres vivants, même végétaux. Et donc on était allé à Madagascar, à La Réunion, Guy avait fait déjà des œuvres là-bas. Voilà, donc à l'automne dernier, j'ai vraiment fait ça beaucoup plus systématiquement à partir de cette série dont je savais qu'elle allait devenir une expo à Charmé en Suisse. Et on a trouvé le titre Terrestre, et donc dans nos conversations, c'était beaucoup ça, essayer de voir quelle place occupe l'homme entre, quand je dis l'homme, je veux dire l'être humain, entre l'animal et le divin. Pourquoi l'être humain est le seul animal à inventer du divin, mais à avoir vraiment besoin du divin dans toutes les sociétés dont on garde une trace. Bon, c'était un peu ça le centre des discussions. Et puis, quand il y a eu l'expo il y a un an exactement, en décembre l'année dernière, on a fait une lecture un peu. Guy avait tenu un journal d'atelier, il a pris quelques extraits. Moi, je lisais mes poèmes devant les œuvres elles-mêmes. Et les gens ont dit, c'est bien, il faut en faire un livre. Et voilà, on en a fait un livre. En fait, on se le redisait tout à l'heure, l'histoire du livre est très agréable pour nous parce qu'elle n'était pas un projet fixe comme ça, et c'est vraiment par rebond que les choses se sont faites, les échanges. Et donc, à part l'expo qui était une chose prévue, le reste, la présentation et ensuite la mise en page, tout ça c'est vraiment... En fait, on se disait, tiens, ça pourrait s'arrêter là, mais en fait, on avait encore envie de faire ça. Et concrètement, les choses se sont passées de manière à ce que ça finisse en livre. Et on en est très heureux parce que ça dit bien des choses qui étaient importantes pour nous. Donc, vous allez entendre tout à l'heure à la lecture qu'il y a beaucoup de rapports avec le sacré, C'est clair que pour moi, quand je pensais au début aux mythologies personnelles, c'était replonger ou retravailler ces questions fondamentales qui me tarabustent depuis l'enfance, issues d'un milieu très religieux comme ça, et un milieu que j'ai rejeté très fortement.
Et donc, c'était une manière d'y revenir. Et c'est un milieu lié à l'animal. C'est un milieu énormément, enfin, profondément lié à l'animal. Donc, j'ai grandi parmi les animaux, on pourrait le dire comme ça. Et c'est vrai que dans des discussions, je racontais à Nancy comme, par exemple, j'admirais enfant les peintures de Rembrandt, dont notamment le bœuf écorché que vous connaissez probablement, donc cette carcasse de bœuf pendu. Et moi, ça me fascinait, alors que c'était vraiment des sujets totalement rejetés par le milieu. Il fallait, c'était tabou, en fait, on occultait tous ces aspects-là, alors qu'on vivait dans ce monde-là. Et surtout de voir que dans toute la maison, il y avait plein de crucifix, donc un être humain qui était pendu plus brutalement qu'une carcasse de bœuf, et là, ça posait aucun problème. Donc c'est des choses comme ça qui reviennent, et donc ça a permis de parler et de réfléchir, et aussi de sourire ou rire à certaines contradictions, paradoxes. Donc on va faire la présentation. Juste, j'ajoute que j'avais aussi fait une interview de Guy auquel on a donné le titre « L'odeur de la vie ». Ça paraît dans un autre livre qui sort juste ces jours-ci, une monographie qui paraît en Suisse, mais que vous pourrez peut-être commander. Le livre lui-même va s'appeler « Sous la peau du monde », ça sort en janvier. Mais au cours de cette interview, je l'ai vraiment poussé dans ses retranchements sur le thème religieux, en fait. Et ça, c'est pour ça que ça affleure ici aussi beaucoup, je pense. Quand je dis pousser dans ses retranchements, c'est important de rejeter, de ne pas juste subir les données de son milieu, de sa famille, sa société. Mais ensuite, on ne peut pas non plus totalement s'en libérer parce que ça nous forme. Ça nous, c'est pas seulement que ça nous marque, mais ça nous forme. Et là aussi, on en reparlera peut-être au sujet de Bad Girl tout à l'heure. Et donc, j'étais frappée que quelqu'un qui se dise tellement violemment anti-catholique fasse tant de piéta. Il fait des piéta tout le temps. Il n'y a pas de vierge. Il y a juste le Christ mort partout. Vous allez peut-être en reconnaître un ou deux dans le diaporama. Ok, on y va. Manque l'image, même si le son est très bien. Thank you.
Vous avez reconnu les abeilles déjà. C'est pourquoi il est l'espèce la plus déroutante, la plus redoutable d'ailleurs, capable de génie et de terreur. Dieu nous a fait à son image. Des petits dieux incarnés dans des corps d'animaux, comment cela pourrait-il fonctionner? C'est sans doute le contraire, bien sûr. Avec l'intelligence, l'humain s'est doté de foi, c'était indispensable, et a créé, entre autres, ses dieux. On pourrait aller jusque dire que Jésus est l'animal que nous avons fait Dieu. Il a été tué et pendu comme la carcasse du cheval de Berlin de Brucker. Ensuite, dit-on, il a échappé à sa condition d'homme, à la tentation de la chair et de la mortalité, donc à sa part.
Mouche de Sartre, l'ouverture, le bâillement baie sur quel antre, laquelle de mes bouches crache ces bestioles ou subit leur attaque. Suis-je assailli ou... Berlin, 8 février 2013. Voici maintenant 15 jours que je travaille sur des grands formats de dentelle et collerette de Rembrandt. J'essaie de comprendre pourquoi, après avoir tant montré la crudité du corps nu, le dépouillement de la vie et de la mort, j'en arrive aujourd'hui à réaliser cette série de dentelles. Prendre le rehaussement futile comme sujet exclusif de la peinture de 4 grands formats. Il me revient que durant mon enfance, je résistais aux valeurs excessives de la décoration dans la maison, la manie de tout ce qui recouvre. Dentelle sur motifs floraux, napperon sur nappe, tapis sur tapis, obsession donc de l'embellissement et du recouvrement. En quelque sorte, une manière de cacher la simplicité, la pauvreté.
Alrette, couleur, éperon, fourrure, bijoux. Et ça marche. Tout le monde me croit fier et fort, sauf moi. Décembre. Je décide de laisser ainsi les montagnes Carmin commencer le 2 décembre. Dans l'idée actuelle, je vais disposer ces quatre huiles à 7 cm l'une de l'autre. Il s'agit ainsi d'une série et non d'un quadriptyque. Chaque tableau fonctionne individuellement et scandé de ces espaces, l'idée de la montagne ne perd rien de sa présence, au contraire. Je pense à la vue de Rio depuis l'intérieur du musée d'art contemporain réalisé par Niemeyer. Le paysage est ainsi structuré par les lignes des fenêtres le traversant. Homme à la morgue, d'après Holbein. Crucifier ce corps pierre noire, sommet alpin de beauté virile, immobiliser le torse au contour déchiqueté, dévaler les côtes de la pinède thoracique, béante cette bouche, caverne silencieuse, ravaler ses mots et ses baisers. Figer ses bras, contrefort d'un homme interrompu au fait de sa puissance, avec la corvelle de sa mère. Sacrifice. En cette aube rouge, le ciel lui-même sanglote. Les dieux sont apaisés, pas de montagne, pas de morgue pour le cerf, aux défenses défaites, aux regards trop humains. On a gagné, on va pouvoir manger. Tout en nous est peur. Placé dans le voisinage de l'homme à la morgue, souffle blanc. Cette peinture montre que la part animale qui nous est arrachée, enlevée au moment de la mort. Souffle blanc. Blanchit au maximum et disparaît presque. Invisible de près, se voit à distance comme une présence. Toute l'attention est portée sur la bouche, le cou, la trachée. La salive manque maintenant. Aux deux extrémités de la vie, c'est une question de respiration. Ne dit-on pas le dernier soupir en écho au premier cri? Mais comment crier si l'on ne peut respirer? J'ai toujours ressenti la peinture comme ma manière de respirer, d'être, d'aimer et de croire. White.
Personal Mountains. Et puis il y a cela, ineffable, inattendu, immérité. Soudain pénètre en nous, se mêle à nous, nous transporte et nous élève. La beauté du monde. Lantini, 1er novembre 2012. Aujourd'hui, c'est la fête des saints et des morts. Dans mon souvenir d'enfant, tous se réunissaient au cimetière après la cérémonie des morts à l'église. Chacun se tenait là, le corps droit et fier, la tête penchée en avant de compassion, recueillie devant la tombe de ses parents ou ses proches. Les femmes lorgnaient du côté des nouveaux manteaux de leurs congénères. Et les hommes, je me dis que les hommes promenaient leurs pensées pleines d'angoisse et de vide sous les manteaux des dames. Ainsi, ils dissimulaient leurs frissons aux yeux des autres. Je pourrais faire une série de manteaux de peau de différentes bêtes, une série que j'appellerais Toussaint. Ciel perdu 3. Zut, dit le bélier, qu'avait-il cet ange à venir s'immiscer dans les affaires d'Abraham ? Ciel perdu 5. Je sais ce que je pense que je suis un être pensant doté d'une grosse tête qui pense que le corps est indigne de ma pensée. C'est pourquoi je l'ignore, le méprise, le minimise, même si au fond de moi, je soupçonne, non, je sais, qu'un jour ou l'autre, il m'emportera. Perdu 6. On nous raconte toujours la question « mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais jamais la réponse. « Eh oui, mon fils, tu t'es fait avoir, fallait pas écouter leur balivernes. En fait, je n'existe pas, il n'y a rien après. Désolé. » Ainsi, divine exactement comme chaque être humain, Jésus trépasse et jusqu'à ce qu'on vienne le dépendre, son corps reste là, sanguinolent. Ses jambes bleuissent, sa parole non. Suite malgache 4. Le zébu est quelqu'un, œil pour œil, dent pour dent, on peut le comparer à l'homme. Terreur, douleur, dignité, tout y est, ou presque, tout sauf le temps, la tragédie. Suite malgache 5. Plus digne que la nôtre, la douleur des animaux. Jamais ils ne demandent ô Dieu qui n'existe pas, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné ? Ils font confiance, et quand vient la trahison qui les tue, cela les attriste, mais ils n'en tirent pas des conclusions métaphysiques. En retournant un crâne de cerf, je me suis arrêtée sur la cavité formée pour le cerveau. Quoique bien étrange, j'ai aimé ce repositionnement du crâne de cervidé de manière à présenter cette cavité comme un espace sacré que je peindrai en rouge en référence aux oratoires de la Réunion. Il s'est ensuivi la réalisation de ces deux premières sculptures en céramique.
crâne renversé et se ramollissant pour s'adapter à cette offrande. Cavité rouge devenant donc très organique, mystérieuse et sensuelle. Il me plaît d'utiliser l'espace du cerveau comme lieu de rituel, de prière, de communication, parce qu'il s'agit forcément de l'activité cérébrale. Notre part animale est celle qui capte le mieux la peur, le danger lié à la survie. L'enjeu devrait être de satisfaire nos besoins de spiritualité tout en vivant avec notre part animale. Le déni pratiqué par l'Église catholique donne lieu à de sombres déviances. On apprend à faire taire cette part animale en craignant Dieu et le diable. Les deux sont à craindre. Plutus Fabulateur 4. Choquant car trop vulnérable, ce petit amas flottant, cet assemblage de membres, déjà presque humain, trahit la vérité qu'on fuit, chair, chair pure. Pour qu'il soit pleinement humain, vite, vite, lui injecter des doses massives de nos fictions. Pardon, gâchis chéri, tu es l'une des expériences ratées du laboratoire Eden, que dévastent depuis 30 siècles ces savants fous. Nous, bafrant à l'arbre de la connaissance, en négligeant ses vétilles, bien, mal. Que la mission va s'inscrire dans toutes les cellules de son corps. Impossible d'y échapper, les parois ne font que le renvoyer à lui-même. Violente imprégnation. Puis
puis Amnésie de la naissance. Ensuite, c'est merci Laurie. Je voulais vraiment remercier la médiathèque de nous avoir donné la possibilité de voir ces images de cette manière-là. C'est la première fois qu'on les voit en grand. On était de côté, mais je pense, j'étais complètement émerveillée et reconnaissante. C'est sublime. Peut-être que la bonne transition, en fait, si on passe juste... On va, dans la discussion, évoquer ces thèmes de terrestre, mais si je dois évoquer aussi Bad Girl, c'est juste de parler, de reprendre ce dernier poème de Jonas, parce que c'est donc moi qui écris le texte et qui tutoie le petit garçon, Jonas. Et c'est pas à la fin ici, hein, mais pas loin. C'est là. Jonas. Non, pas l'enfant chamois, mais Jonas. Si, c'est à la fin. C'est ça. Hein? Merci. D'ailleurs, je ne suis pas exactement grand-mère, mais je suis grand-belle-mère ou quelque chose comme ça. J'ai un beau-fils qui est né il y a maintenant 4 ans et demi. Et je me souviens que Guy m'avait envoyé à ce moment-là. C'est 3 ans et demi ou 4 ans et demi, 4 ans et demi, il m'avait envoyé cette image en me parlant du sens que ça avait pour lui. Donc vous avez compris bien sûr que je lisais ces extraits de journal. Donc, cette idée d'un enfant qui reçoit une mission avant de naître. Et ça fait donc des années que nos pensées circulent entre la Suisse et Paris, et entre ce cerveau, ce cœur, ce corps et le mien. Et vraiment, Bad Girl, c'est un peu ça. C'est voilà, amour, tout est prêt maintenant, tu peux naître. Ta vie est neuve, mes portes empruntent en ton corps, âme, l'histoire des tiens et toute la capoeira de la forêt primordiale. Danger, danse et défense. Peur et prostration inscrits en toi en miniature attendent leur moment pour éclore. Le chant de tes ancêtres est le nid
d'où tes rêves prendront leur envol. Et je suis contente d'avoir formulé ça comme ça pour le livre avec Guy. Et je pense que c'était un peu un des points de départ pour ce poème-là, pour Bad Girl, où je tutoie donc un fœtus, comme là. Il se trouve que c'est moi, mais c'est évidemment une fiction, enfin une image que j'ai de quelle était ma vie de fœtus dans le ventre de ma mère. Mais on peut tous rêvasser là-dessus. Qu'est-ce que c'était de vivre dans ce corps-là? Et un des points de départ pour ce livre, il y en a eu plusieurs, mais l'un, c'était un colloque auquel on m'a convoqué pour parler de Ligne de faille, parce qu'on trouvait que Ligne de faille parlait de la psychologie transgénérationnelle. Même si ça ne fait pas partie de mon vocabulaire, je comprenais ce qu'il voulait dire. Qu'est-ce qui est transmis inconsciemment d'une génération à l'autre, tout ça. Et c'était à Seine-Saint-Denis, et je suis allée faire un petit topo sur ce roman qui parle de 4 générations d'une même famille. J'ai assisté à toute la journée des travaux, les présentations des psychologues et psychanalystes spécialisés dans le rapport mère-enfant, conflictuel ou difficile, notamment dans un milieu où il y a beaucoup, beaucoup d'immigrés qui viennent de pays avec d'autres traditions, d'autres croyances, d'autres façons de vivre en famille et en société, et qui sont très déroutés par la dureté de la vie en France, et peut-être par plein d'autres choses, le climat et tout. Et donc, ça, c'est souvent un moment fragile, et les gens, donc ces femmes surtout, sont des femmes, sont là pour aider à dans ces moments des premiers mois avant et après la naissance, et les derniers avant et les premiers après. Et c'était une journée très bouleversante pour moi, parce que à part que je connaissais mon topo par cœur, mais je connaissais pas toutes les autres expériences, et tout d'un coup ça m'a fait repenser à mes propres grossesses, qu'est-ce que mes enfants avaient enregistré de la vie et du monde à travers les difficultés que je pouvais être en train de vivre quand je les portais dans mon corps. Et c'est une chose dont la philosophie occidentale ne parle jamais, bien sûr, le fait qu'on commence la vie dans le corps de quelqu'un d'autre. Et que le soi, le je, le sujet de l'individu de la philosophie occidentale, c'est tellement pas quelque chose de mélangé à quelqu'un d'autre qu'on n'a pas de place pour ça, quoi. Et ça m'a un peu donné le vertige. J'ai donc aussi pensé au fait que j'avais été mêlée au corps de ma propre mère. Et je suis rentrée ce soir-là et Guy m'a dit... J'ai passé la journée à faire une série de fœtus fabulateurs. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi tu as fait ça? Bon, c'était vraiment... Je n'étais pas au courant de ton emploi du temps de ce jour-là. Et donc, c'était vraiment une... Enfin, on a plusieurs choses qui se sont passées comme ça. Et c'est vrai, c'était une idée comme ça qui était dans mon esprit depuis un moment, et on n'en parle pas. En général, on se parle des choses quand elles ont déjà atterri sur le papier, ou alors bien avant. Mais juste à ce passage-là, c'est mieux de ne pas en parler, parce que c'est juste contraire à la création. Et donc j'avais cette idée depuis un moment, ces images qui me hantaient, et c'était une manière de... donner un peu ses attributs comme ça, enfin, ça s'exprime bien. Il y a des fœtus avec des cornes, il y a des fœtus, des peluches comme ça qui ont l'air un peu à vif avec des ailes, enfin je ne sais pas. C'est comme si dans cet espace comme ça qui nous échappe, on pouvait voir encore, enfin, c'est purement poétique, mais ces animaux qui habitent en nous, et qui nous font plutôt l'un ou l'autre, plutôt comme ci ou comme ça, et qui nous font gambader, gamberger, ou je sais. Et qui correspondent aux fictions justement que nos parents projettent sur nous, comment ils voudraient qu'on soit, comment ils nous rêvent, comment ils nous imaginent, qu'est-ce qu'ils nous espèrent pour nous, tout ça. Et on est
On ne naît pas une page blanche, on naît avec déjà pas mal de gribouillage dessus, c'est ça le truc. Et donc je pensais à tout ça et il se trouve que j'avais déménagé à Paris et j'avais passé un peu toute ma vie en revue. C'était comme un near-death experience, comme ça, comme on voit toute sa vie se passer devant ses yeux. Et je m'étais plongée dans les différents moments de la vie et tout. Et d'autre part, oui, on venait de m'offrir le livre de Anne Truitt, une sculpteure américaine des années 50 et 60, qui avait fait un très beau journal d'artiste. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est-à-dire, c'était une autobiographie, mais du point de vue, pourquoi elle est devenue peintre et sculpteur. Et je me suis dit, ça, je pourrais le faire. Je n'ai jamais voulu faire une autobiographie, et je ne veux toujours pas. Pas spécialement, mais il ne faut jamais dire jamais. Par contre, tout d'un coup, me dire à l'âge que j'ai, à 60 ans, comme ça, dire tout d'un coup, qu'est-ce qui a fait dans mes antécédents, dans mon enfance, dans mon adolescence, chez mes ancêtres et ainsi de suite, qu'est-ce qui a fait, quelles sont les briques avec lesquelles je me suis construit une identité d'écrivaine. C'est juste ça, donc c'est d'où le titre classe de littérature. Qu'est-ce qui a été classe de littérature? Et donc je ne parle pas de mes séminaires avec Roland Barthes. Je parle du fait qu'il y avait des conflits, qu'il y avait des difficultés, qu'il y avait des incertitudes, des insécurités, et que les mots, notamment, s'accrocher aux mots a toujours été pour moi une forme de salut. Une façon de faire sens, de créer une continuité là où ma vie manquait terriblement de continuité. Et voilà, donc j'ai commencé à écrire ça juste peut-être après avoir fini Terrestre. Hein. C'était un peu au tout début de cette année. Et j'ai commencé en anglais, puis je me suis vite réfugiée dans la langue qui me protège, la langue étrangère, mais en restant donc très très proche des images de l'enfance. Et je raconte un petit peu les grands-parents, les parents, le divorce, le départ de ma mère, etc. Qu'est-ce qui fait que je suis partie, j'ai quitté la langue maternelle, enfin des questions qu'on m'a beaucoup beaucoup posées au long des années dans différentes interviews et situations comme celle-ci. Et tout d'un coup je me suis dit, je pense que je suis prête, peut-être aussi symboliquement, parce que je ne crois pas que ma mère lise mes livres, mais je sais qu'elle en avait marre de lire dans le journal qu'elle avait abandonné ses enfants. Et donc je voulais un peu mieux raconter la chose pour que ça soit plus compréhensible, parce que voilà, c'est quand même très compréhensible. Voilà, est-ce que tu veux ajouter quelque chose, on les laisse parler un peu? D'abord, je voulais vous remercier pour ce qu'on a vu. Vous nous avez offert plus qu'un diaporama. Moi, j'ai l'impression qu'on a vu une œuvre d'art qui s'est déroulée devant nous, vivante, intense comme une dramatique, mais aussi rythmée et légère comme un long poème. Quoi. C'était votre lecture y participait, les images, la bande-son qui a été rarement, dans ce que j'ai vu, aussi bien à sa place, aussi enrichissante pour ce que vous aviez à dire. Donc, merci, c'est bouleversant. Merci. Votre réaction ou question ? On voudrait vous remercier pour non seulement votre très grande tendresse par rapport à la femme mère,
mais aussi la manière extrêmement poétique et très profonde dont vous abordez ces questions. Merci. Écoutez, je crois que tout est là. Hein. Je ne sais pas si vous voulez en ajouter un peu plus avant de continuer à côté, de façon plus individuelle, intime, on va dire. Non, on peut se parler de façon, oui, en plus petit comité, si vous voulez venir nous dire quelques mots en faisant vos emplettes de Noël. Là. Parfait. Merci beaucoup, en tous les cas, pour ce moment assez unique.